Lucas vient de faire déjà un passage très très difficile, qui réussit aussi ultimement. On revoit quand même assez facilement l'école allemande. C'est très carré, quoi. D'accord. Voilà. Vous le voyez. Là, pareil, il a encore un passage bien réussi avec toutes les jambes. Jodan, donc au niveau du visage. On voit hein, la netteté des positions, ça bouge pas comme je vous disais tout à l'heure, l'orteil, le petit doigt. Et là, on a préparé donc son saut. Dans tous les katas, quelle que soit l'école, ça dépend. Il y a un saut. Non, ça dépend des katas. Il peut avoir un saut, comme il peut ne pas avoir de saut, mais souvent les katas.